a remporté la première manche 6-0. Elle a mené 3-0 dans la deuxième. Et puis il y a eu une petite saute de concentration chez la co-numéro 1 mondiale, finaliste bien sûr l'année dernière de cette US Open face à Steffi Graf, et qui a gagné deux fois le tournoi en 1991 et 1992. Toujours cette même détermination. Et balle de match pour Monica Seles. Balle de demi-finale pour retrouver, comme l'année dernière d'ailleurs, Conchita Martinez. Et voilà une grosse faute en coup droit. Et Monica Seles en demi-finale. Sa 13e demi-finale en Grand Chelem, et maintenant les plus beaux points de la journée et quelques-uns des plus beaux points de la semaine dernière.